La 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 la. De retour dans les Pachani et nous allons donc décortiquer. On va décortiquer. Là, on a fait appel à notre curiosité. On va donc décortiquer une nouvelle fois le trailer d'annonce de la Switch. C'était obligé. Nintendo nous a poussé dans nos derniers retranchements. Ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements. On n'a donc pas le choix. C'est parti des corticons. Donc, en partant du principe que il y ait des images incrustées à l'intérieur de ce trailer, on va essayer de voir si toutes les images sont incrustées. Et on va essayer de voir à partir de quoi elles sont incrustées. Parce qu'il faut savoir, c'est que bon, je travaille avec des monteurs depuis maintenant très longtemps. C'est, les méthodes d'incrustation d'images sur les écrans sont quasiment tout le temps utilisées quand la vidéo, la caméra de base, ne montre pas assez bien l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, pour éviter d'avoir... pour éviter d'avoir une image terne et que ça rende mal à l'image, ce que les monteurs font, c'est qu'ils incrustent des images à l'intérieur des écrans afin de ne pas avoir de reflets ou de trucs comme ça, parce que c'est très difficile de filmer des écrans sans qu'il y ait de la merde. Faut le savoir, quand même. Quand tu tournes, quand tu fais ça, filmer des écrans, c'est... Donc on part du principe que toutes les images sont des images incrustées. Ça pose des problèmes. Ça pose des soucis. Enfin, des soucis déjà éthiques, et ça pose surtout des soucis au niveau de la conception même de la NX. Donc on va voir un peu. Regarde, donc ça... En fait, quand j'y repense, c'est vrai que c'est complètement débile. Rien que cette image-là, avoir la netteté de cette image-là, c'est quasiment impossible quand il songe. Avec la luminosité qu'il a là, essayer de filmer son écran, mais avec la meilleure caméra du monde, la voir comme ça, c'est pas possible. Donc même dans cet écran-là, même là, c'est une image incrustée. Ce que vous voyez là. Donc maintenant, on va voir jusqu'où est-ce que ça pousse le vice de l'image incrustée. T'as par exemple le chien. Regardons le chien. Là, visiblement, avec l'effet de flou, le chien, il n'y a pas trop de soucis. Même si vous voyez que l'incruste devient un peu ronde là. Avec le flou, probablement. Donc, l'écran est devenu rond, bizarrement. On ne sait pas trop pourquoi. Maintenant, là, image incrustée. Alors, est-ce que l'image passe au-dessus? Non. Elle semble pas passer au-dessus d'objets, l'image. En tout cas, c'est pas net. Mais ça, t'as pas une image comme ça avec la luminosité qu'il a. C'est sûr. Maintenant, regardez bien. Là, on va être très attentif à ce qui va se passer maintenant. Le chien est incrusté. Parce que là, c'est le moment où il retire la Switch du dock. Donc, on voit le dock, les deux ports USB. Un autre port USB est disponible d'ailleurs. Ça, c'est plus pour les manettes. Il y a un port USB pour ajouter un disque dur à l'intérieur. On voit quand même que le dock est gros, hein. Et qu'à mon avis, le dock en lui-même peut constituer une console de jeu. Le dock, à mon avis, il n'y a pas que de la merde dessus. Voilà le dock. Alors, il va retirer de son dock. Déjà, il retire les manettes. Là, ça semble facile. On note que si on l'appuie sur moins et on appuie sur le plus, voilà. C'est appuyer sur le moins et le plus de là-haut qui fait retirer les manettes. C'est ça. Donc un système de glissière pour tenir les manettes. Là, on voit le pad de la Switch avec une batterie au milieu. Voilà, et là, il va mettre ça dessus. Donc là, normalement, si c'était vraiment une incruste qu'il y avait à l'écran, là, je vous prie de croire que ce serait très difficile à faire. D'avoir l'incruste et d'avoir la main qui passe ici par-dessus sans avoir de petits problèmes. Et là, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Une incrustation. Genre aucune. Ça a l'air très propre. Une simplicité enfantine à brancher, ça, il n'y a pas trop de triche là-dessus, même s'ils ont dû refaire la scène des 50 fois pour que le mec il puisse brancher en direct. Ici, je vois aucun souci. Et là, il va retirer le dock. Regardez bien.
Donc là, le dock est retiré, il n'y a rien sur la console. On est d'accord, hein. Il y a une rémanence sur l'écran. Le dock est retiré, oh, c'est retiré du dock, là il est débranché. Déjà rien que ça, c'est bizarre. Là, il n'y a pas de plug, il n'est pas plugué. Oui, c'est vrai, la lumière est différente. Voilà, et là, ça bascule. L'image bascule. Juste repasser l'action parce que... Donc là, on voit Link, il est incliné comme ça. Vous voyez l'image de Link, là? L'image du cheval. La tête tournée. Est-ce que c'est exactement la même image? Pas la même image. Oui, puis pareil. Ah voilà, là on a la frame où l'écran s'éteint. C'est bizarre la façon dont il s'éteint l'écran aussi avec ce blanc là. Tu peux ralentir sur YouTube avec quelle option? Je l'ai pas moi. Non, pas avec ça, pas avec les outils que j'ai de base. Si, peut-être frame par frame là. Ah bah non. Ah bah voilà, bah j'ai tout baisé. J'ai un mec dont j'ai rien à foutre. Voilà, GG les mecs, merci. Gros ralenti sur YouTube. Le chien a envie d'aller pisser. C'est pas grave, on va promener le chien avec la Switch. Moi, c'est vraiment ce moment-là, là. Vous voyez, tout est débranché, il y a encore l'image à l'écran, c'est pas possible. Tu débranches, il n'y a plus d'image à l'écran. Ou alors, c'est la dernière rémanence de l'image. Mais imagine, fais le test chez toi, tu débranches ton câble HDMI. Je vais faire le test. Où est-ce que je pourrais faire le test? Je sais même pas où je pourrais faire le test. Quand ça passe en... Non, mais même en grand 5, c'est, je crois. La vérité, c'est que déjà là, c'est incrusté. Rien que le contraste. Rien que les contrastes, ils sont pas logiques. Sur cette vidéo. Voilà, là par contre, ça n'a pas l'air d'être incrusté. Enfin, tel que c'est bougé. Ah si, quoique si, en fait. C'est vachement bien fait, hein. Notez que l'écran a l'air super salissant, hein. Clique sur l'engrenage pour ralentir. Engrenage. 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 Quel engrenage? De quoi vous parlez? Engrenage? De quoi? Il n'y a pas d'engrenage. Je comprends rien de ce que vous dites. Ralenti sur la molette. Bah non. Toujours pas non plus. En bas à droite. Ah, vitesse, d'accord. Merci. Bon, après, ça m'aide pas des masses, mais... Ok, merci. Là, on a frame par frame, là. Sans qu'il y ait vraiment trop d'erreurs. Ok, donc ensuite, il part prenette Baba. Donc, l'autre, il est à la lumière du jour, là. À la lumière du jour. Voilà, ça. Ça là, ce qu'on voit là. Ça, c'est plus une image déjà de reflet de lumière du jour. On est déjà un peu plus dans le vrai là. On est déjà peut-être un peu plus dans le vrai. Tu vois les reflets de lumière du jour dessus là. Et on voit les reflets de lumière qui se baladent sur l'écran. Et l'incruste passe en dessous. Ah, ça passe en dessous, l'incruste passe en dessous la lumière quand même. Ah oui, pareil, tiens. Regardez ce qu'il fait.
avec ses mains. C'est très important ce qu'il fait avec ses mains. Aussi. Donc là, il maintient le bouton Y appuyé. Non, X. Il lâche X. Il appuie sur... le bouton... rien. Il doit appuyer sur le bouton A. Je crois. Ou pas. Et l'arc se tend tout seul. Donc là, il appuie sur aucun bouton. De toute façon, il n'y a même pas d'interface de jeu. Ah si, il a appuyé sur la gâchette qu'il a relâchée. Bon, il n'a pas l'air de jouer hein, quand même. Hein. Ouais, la gâchette, mais... c'est pas évident. Bon, voyons voir cette partie-là. On la cartouche déjà. Déjà, bonjour mademoiselle. Permet de faire des rencontres, la Nintendo Switch. Ah, la cartouche, on avait quelques frames de devant. On va passer frame par frame. Hein. Voilà, une cartouche Nintendo. Gros jeu, hein. Gros jeu, la cartouche Nintendo. Notez que la taille des cartouches avec le jeu Game Card. Hop. Il branche. Les bords de l'écran sont plus gros dans le parc que dans l'image. Alors attendez, on va regarder. Non, c'est pareil. Hein. Entre ça. Et ça. Non, c'est juste parce que c'est tourné. Ah si, vous avez raison. Vous avez complètement raison, c'est complètement plus gros là. Au niveau de ça, ah, quoi que non. Ça, c'est peut-être un effet d'optique, ça. Bon, attendez, on retourne sur la meuf, là. C'était le moment intéressant. Ça monte pas du jeu, là, on est d'accord. Non. Ça se branle la nouille. Là, on peut voir quand même les doubles gâchettes de la NX. Hein. Le port cartouche, le port mini jack qui se trouve juste ici. Et là, il y a un bouton supplémentaire, je sais pas à quoi il sert. Avec ici, système de refroidissement. Et les dents les plus blanches de l'univers. Et là, à mon avis, ça va être très drôle. Lorsqu'il s'installe pour jouer. Est-ce que ces écouteurs sont des écouteurs Nintendo ? C'est bien un Nintendo machin, c'est bien une machine de production. Hein. Ok. La prise jack, donc vous voyez, casque micro, hein. Le multi-jack, il faisait stéréo plus micro, hein. Regardez. Ça aussi, quand il va brancher son micro. Tu vois, stéréo, la stéréo et la micro. Ça, c'est un casque micro. Après, il y a marqué que casque ici, donc. Je sais pas. À mon avis, il y a micro possible. Game Card. Ok, donc là, il retire ses machins. Attends, est-ce qu'on peut voir un peu plus avant? Quand il retire là, on peut peut-être voir les gâchettes. Voilà, ici il y a une gâchette, vous voyez là. Ça, c'est une gâchette. Et là, il y a une deuxième gâchette. Ici.
Oui. Il y a bien deux gâchettes hein, sur les Joy-Con. Bon, par contre, là, l'écran, c'est non. Même s'il a gardé le reflet, là. Il y a bien le reflet sur l'écran, pourtant. C'est difficile à garder, ça, au montage. Hein. Et quand ça bouge, l'incruste bouge pas trop. On a quand même les deux sticks analogiques. Hein. Est-ce que ça sent l'incruste, ça? Ça dort à côté, en tout cas. Hein. Plus rien à foutre. C'est épais, hein, vous avez vu, hein, c'est épais. Hein. Et là, on voit bien le système pour transmettre la batterie. C'est bien fait, leur truc. Regarde le reflet dans les yeux. Oh, putain. Ça va trop loin, le reflet dans les yeux. Qu'est-ce qu'il peut bien regarder ? Le reflet dans les yeux, je vois ça, Enix, la truc de son voisin. C'est vrai que même le reflet dans les yeux, il a l'air... Ah, il bouge pas. Quand il bouge la tête, le reflet bouge absolument pas, c'est un JPEG. Ouais. Complètement un JPEG, le reflet dans les yeux. Ah ouais. Complètement un JPEG, le reflet dans les yeux. Un JPEG point reflet dans les yeux. Regardez, ça bouge pas. Le reflet bouge pas, le reflet est fixe. C'est un putain de JPEG. Le reflet il bouge avec ses yeux comme ça. Ouais. Ils vont pas nous la faire nous Nintendo. Je sais qu'ils essayent de nous baiser la gueule. Alors attends. Donc là il arrive dans son putain de truc. Là, il appuie bien en haut pour avancer. Il appuie sur des boutons, mais ça ne fait rien. Peut-être qu'il est encore en train de faire n'importe quoi. Ensuite, il arrive à la maison. Donc là, l'écran est éteint. Ah, ok, ça c'est pour le volume. Attendez, on voit un truc un peu mieux là. Parce qu'avant de critiquer, c'est... On va bien voir comment elle est faite, la machine. Sous tous les angles. Le power est là, visiblement. Le volume est là. C'est ça, ça c'est le bouton power, vous avez vu. Pour l'allumer. Comme une console portable, hein, vraiment. Hein. Tac. Voilà, on avait déjà parlé de ça. Les 4 diodes pour faire 1, 2, 3, 4. Il y a 4 boutons, plus, moins, home, machin. Les sticks qui sont légèrement renfoncés, pas totalement convexes. Les boutons qui sont un peu gros. Mais la croix qui a l'air parfaite, comme d'hab. Le volume du côté power, ouais. Bon, voilà les reflets dans l'écran. Voilà. Là, tu sens la baise. Là, ça, c'est de la baise totale. Pourquoi c'est de la baise? Pourquoi ça, c'est de l'arnaque? Parce que là, il n'a absolument pas allumé la console. Rien n'est sous tension, rien. Il n'y a rien sur l'écran de sa console. Il avance, il se casse, il en a un coup d'un seul. Comme par miracle, sans que la télé s'allume. Sans rien du tout. La télé est éteinte, elle est éteinte, il n'y a même pas de LED d'allumer. C'est une télé éteinte. Regardez ce qui se passe. Fla Skyrim. Skyrim, les gars. Skyrim. Allons-y. Oh bah oui. Écoute, telle la lumière divine. Oh, Skyrim. Il y a Skyrim. La console est éteinte, il y a Skyrim. Aucun problème, hein. Sans aucune putain de pression. Notez que cet écran même est une escroquerie, puisqu'il n'y a même pas de câble qui passe ici. On sait même pas où vont les câbles. Alors, ils sont dans le mur, les câbles, pour brancher l'écran. Escroquerie sur 20. Bon, ça, c'est de la merde. Mais c'est pas rassurant, hein. Moi, j'attends de voir quand ça marche. Bon, évidemment, c'est une vidéo qui explique le concept du truc, donc
On comprend, on sait bien que c'est un trailer promotionnel. Mais là, il faut que ça aille vite, tu vois. Non mais si j'ai installé une télé dans un mur. Mais généralement tu vois quand même des câbles. Là c'est la NX. Aucun câble d'alimentation. Nulle part. Tiens, les câbles ils passent dans le mur là. Ils passent ni en haut, ni à droite, ni à gauche, ni en bas. Il y a un moment il faut alimenter les choses. Il y a plein d'apparts, les écrans passent dans les murs. Et même ton câble HDMI de ta Switch, il passe dans ton mur. Faut bien brancher le câble HDMI quelque part sur l'écran. Elle est alimentée comment la NX là? Il sort d'où le câble d'alimentation de la NX? Il est où? C'est le Saint-Esprit qui alimente la console? Il n'y a aucun câble. Ah, je veux bien que la télé, tu peux cacher les câbles, on est d'accord. Mais il y a un moment, faut arrêter de pousser mémé. La console, elle est pas branchée. Là. Complètement pas branchée. En plus, il joue comme ma grand-mère, lui. Avec sa mallette en haut, là. Voilà, donc ça, c'est une incruste. Ça, c'est très clairement une incruste. Et ça se voit d'autant plus que la caméra bouge, en fait. Donc, ils auraient pu incruster ce qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'on a encore reflet.jpg? Ah non. Ah non. Pas de reflet.jpg, ce que c'est. C'est alimenté par l'IFI. Le HDMI. Mais HDMI et Wi-Fi ça existe, déconnez pas. Bon, maintenant ce qui nous intéresse c'est la partie où ça joue à Mario Kart. Alors, voilà, la branchement. Vous voyez quand même il y a l'effet de flou hein. On a envie d'y croire là hein. Tu vois, reflet du pouce sur l'écran. On voit en plus hein, que c'est totalement Mario Kart 8 hein, ça. Hein. King Boutodette Mario 150 cm3. On a quand même envie d'y croire là que c'est pas une incruste d'écran. Hein. Je sais pas si cet accessoire est fourni. Il y a un vrai accessoire. Hein. Oui, je sais que c'est dû à ma pose, l'effet de flou, mais quand même. Bah, tu vois, frame par frame, l'écran a pas l'air de bouger dans l'incruste, quoi. Tout a l'air de bouger bien. Ouah, ça, c'est un coupaling. Ça aussi. Là, il y a un Yoshi, là. Non, mais c'est Mario Kart 8, hein. Bon voilà, ils prennent les Joy-Con. Alors après, Joy-Con, ça joue dans le... Oh, cette coupe de cheveux. Ouais, je casse toi, mec. Encore le reflet des yeux, on sait pas. Et là... Là, mon capitaine. Là, ça fait super incruste, quand même. Là, ça fait un cruce de ouf. Ça fait vraiment un cruce. Ok, donc là il renverse un coupaling. Il dépasse. C'était qui ça ce perso? C'est Harmony ou Peach? C'est l'air d'être Peach dans le kart classique. Boost sur 20. Ensuite ça joue aux cartes là. Très bien. Là on voit un peu plus. Voilà, avec les deux sticks. Les deux boutons de gâchette là. Voilà, et là on voit à peu près, un peu plus là, il y a Donkey Kong là.
Quand je sais pas qui s'est fait saveter, c'est Daisy, me semble. Le contour noir autour du pouce, j'ai pas vu. Sincèrement, j'ai pas vu. On voit pas bien. Ça a pas l'air si incrusté que ça. Quand il filme l'écran droit comme ça a l'air d'être du vrai. Il y a peut-être pas 100% des incrustes. La mini croix directionnelle, c'est un plus en fait. C'est ce qui permet de retirer les manettes. Ce qui permet le switch. Ah là, le moment du basket, c'est la pire escroquerie de l'histoire, je pense. Le basket, il y a escroquerie. Il y a escroquerie de ouf. Bon, déjà, paye ta luminosité. Ambiante. Ça veut rien dire. Donc là, ça retire. Ok. Et là, ça veut jouer en versus. Désolé, mais j'y crois pas une seconde. Je crois pas une seconde qu'il va pas y avoir une merde. Ça, c'est bien NBA 2K. Hein. Remarque, ils se sont arrangés pour qu'on ne voit absolument pas le nom des jeux. Ah oh, putain, mais ce Cyril Lignac. Bah oui, un écran 7 pouces à 2, mais c'est très bien. Ah, pour les lumières. Rien que le jeu de lumière avec les spots pour filmer l'écran comme ça, j'y crois pas. Je vous assure que j'y crois pas. Bah oui, c'est mieux que les écrans OLED. Enfin, l'écran, c'est incroyable. Mais là, ah oui, t'as une incruste peut-être là aussi. Il peut y avoir une incruste intéressante, là, regardez. Regardez l'angle de vision là. En bas. Je veux pas te dire, mais il est à 110 degrés, il n'y a aucun problème, la caméra elle voit l'écran. Et là on va finir en apothéose. Mademoiselle, dont je veux absolument trouver le nom un jour. Une américaine qui s'amuse sur sa Switch. Ah ah ah. Le Mario, incruste ou pas incruste? Bon, déjà, la console est allumée. Bon, déjà, la console est allumée. Ok, merci. Au moins, on a ça. Elle n'était pas allumée hein, le coup d'avant, on est d'accord. Hein. Là, au moins, la console est allumée. C'est déjà ça. Il y a du progrès, il y a du progrès, il y a du progrès. Ils ont allumé la console quand même. On essaye moins de te la mettre. Notez cette lune, hein, magnifique. Bon, tu vois, il y a des personnages en cactus. Là, je me demande ce que c'est, ce Mario. Bon, la commode, c'est celle de Louise. Il n'y a toujours pas de câble. Après, les câbles peuvent passer là, tu vois. Hors caméra. Ça rend plus propre quand il n'y a pas de câble à l'image, regarde. Rien n'empêche les câbles de passer là. Et c'est peut-être pour ça que cette plante est posée. C'était là, d'ailleurs. Non, mais ça ressemble pas à un Galaxy. Par contre, tu vois tous les effets d'eau, là. L'eau qui est frisée dans le temps. Ça, à mon avis, c'est une indication. Parce que ça, c'est l'élément de gameplay qu'il y a là. Comme si l'eau ne coulait plus. Et que Mario devait rétablir l'eau. Tu vois, regarde, ces fontaines, elles sont gelées. T'as vu, la fontaine, elle est gelée. Alors qu'on est dans le désert. On a une fontaine gelée, là. Tu le vois? Ça serait Super Mario Fire and Ice. Tu vois, ça bouge pas d'un pouce, cette fontaine-là. Je sais même pas si c'est une fontaine, mais ça ressemble à de l'eau gelée. En tout cas, ça a l'air d'être Mario. Super Mario, dérèglement climatique, ouais, sûrement. Ok, alors sur ce plan-là, tu vois, tu revois encore les fontaines gelées là, 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 et derrière ici. Comme si l'eau était frisée dans le temps et ne s'écoulait plus.
Bon, Mario ressemble à Mario. Les effets de lumière sont ouf, mais ça, tel que c'est placé dans le cadran là, c'est clairement un cruce. Notez qu'il n'y a quand même pas de fil là. Donc les fils doivent passer dans le mur. Hein. Après, c'est possible. Pour faire propre. La console est allumée au moins. Ok, le long jump avec un bill-ball qui sort. Si je fais pause ici, tu vois, c'est ça moi qui me perturbe là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Comme si un truc ne bougeait pas. Comme s'il y avait comme si le monde était devenu invisible. Vous voyez ce que je veux dire? La course de Mario, ça c'est très important. Mario qui court. Mécanique trouvée dans 3D World. Voilà, et là il y a Bezri. Qui boule. Petit boulindé. Johnny. Come on. Est-ce qu'elle a allumé la console là? Oui, la console est allumée. On voit la diode ici. Donc là, elle est partie pour switcher. Donc je vois si la position des amiibo est identique. Ok, donc c'est parti. Switch 1. Parfait. Switch 2. Impeccable. Aucun problème. Je vois toujours pas les câbles de la console. Et là. Alors là, attention. Là, on va regarder. Donc là, elle a déjà retiré la truc du dock. Hein. On est d'accord? Ah, on voit le câble ici. Vous voyez, on voit les câbles ici. Vous avez dit qu'elle était derrière la plante. Vous avez vu, il y a un cœur là. Alors quoi, comme dans Super Mario Bros 2, le retour du cœur. Et les anneaux là, à quoi ça sert? Il a l'air violent ce Mario. Mais là c'est l'arnaque. Donc là on est d'accord, on est retiré du dock. Il y a même de l'animation, c'est pas une image fixe hein. Il y a même de l'animation sur l'écran. C'est à dire que là, ça c'est pas possible. À partir du moment où t'as débranché, l'écran ne calcule plus rien, il ne fait qu'afficher. Et même s'il y a quelques... Ah, je veux dire, quoi, alors c'est l'écran qui a le plus de lag de l'histoire, il affiche ce qu'il a reçu avec 3 heures de délai. Voilà, l'écran commence à s'éteindre tout seul. Voilà, l'écran est éteint. Et là, ça vient de s'afficher ici. Et là, c'est vrai que l'incruste est moins bonne, clairement. Regardez, l'image bave sur le bord de l'écran. Rien que là, ça va pas. L'image vient baver sur le bord de l'écran, là. Non, mais ça, le problème, c'est que ça ressemble vraiment à une arnaque. Hein. J'ai une petite théorie. Je pense que les fontaines gelées... sont des montagnes collines dont on aurait volé les couleurs. Le but de Mario. Oui, ça peut être ça, voler les couleurs, j'avoue. Super Mario Color. Là, c'est pas possible. Tu vois, l'incruste est très mauvaise. Très mauvaise. Ça fait chier en fait parce que. Déjà l'écran là il a l'air d'être en veille. De base hein, même avant. Oh. La diode rouge elle s'allume. Quelle est cette diablerie? La LED rouge elle s'allume. Non mais attendez. Mais non, on s'en fout pas. Non, si la LED rouge s'allume, ça veut dire que l'écran se met en veille. Là, il a de l'image. Et là, il en a plus. Et la LED rouge s'allume. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que l'écran peut avoir la LED rouge qui s'allume? Si la LED rouge s'allume, ça veut dire qu'il ne reçoit plus d'image. Ça veut bien dire que c'était le vrai jeu qui était affiché. Alors attendez, le chat s'excite.
Si c'est une télé en HDMI CEC, elle peut s'éteindre toute seule, ça existe. Oui, justement, c'est ce que je dis. Enfin là, en fait, elle l'indique, elle ne reçoit plus d'image. Ça veut dire peut-être que c'était la vraie image qu'il y avait dedans. Ou il y a un mec qui a éteint la console avec la télécommande derrière. Ou ils ont incrusté la diode. En tout cas, l'incruste de l'image là est très mauvaise. Très mauvaise. Oh, le Mario, il est... Oh là là, Mario est horrible sur la console. Il est clairement pas là, hein, Mario. Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Attention. Et hop là! L'image passe devant. C'est la fin du trailer. Hein. Fallait rendre vite. Oh là là, ouais. Oh, ça transperce. Ça transperce la manche. Ah, c'est sale. Ah, c'est sale de ouf. Mais tu vois, comme l'incruste est sale là, je me demande si avant c'était si incrusté que ça. Oui, c'est une pub, on s'en fout. On sait que c'est pour faire ressortir les images sur les écrans, on sait. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps d'affichage entre le moment où tu sors la machine du dock et le moment où ça s'affiche sur ton écran. Et s'il n'y a que des incrustations tout le temps, ça veut dire que ce temps-là, il n'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas réel. C'est qu'on peut pas faire confiance à ce trailer pour te donner le temps d'affichage entre l'écran et la console. Et c'est quand même un des arguments de vente principal. Regardez, bah là, ça y est. Là, tu vois, je pense pas que ce soit affiché. Peut-être qu'ils affichent vraiment le truc du jeu. Mais là, il y a un jump cut de ouf. En plus, elle se retrouve même pas à la même position de son écran. Voilà. Là c'est peut-être la vraie écran du jeu. Notez le son qui sort là. Mais combien de temps c'est mis pour que ça s'affiche sur l'écran? Mais ça m'a l'air d'être le vrai jeu. Ah, quoique non. C'est trop propre. C'est trop propre, c'est trop propre, c'est trop propre. Non, on a plus confiance. Hein. Ah, puis là encore, là, l'écran du jeu qui s'affiche. Ah, et là, il y a peut-être faute. En une frame, tu vois l'écran d'un coup qui s'illumine. Ça aussi, c'est une incruste. Ouais, on voit bien. Encore une fois, t'as vu l'écran, il déborde par là. Tu le vois là? Il peut pas être aussi proche de là l'écran. Ils l'ont vraiment fait gros pour qu'on puisse le voir, mais ça, c'est une incruste encore. En plus que je vois... Attendez. Je crois que la LED de la Switch est éteinte en plus. C'est ça. Oh putain, mais la baise. Oh mais la baise, mais la baise, mais la baise. Regardez, la LED de la Switch est éteinte. Par contre, tu vois les câbles là. Tu vois les câbles. Elle est éteinte la console. C'est clairement, c'est pas du tout les mêmes plans quoi. Mais non, elle est pas LED, évidemment qu'elle est pas LED du tout. Ok, vas-y, prends ton Joy-Con. Non, mais ça a l'air assez gros hein, quand même le Joy-Con, hein, finalement. Mais non, mais elle est censée quand même être allumée, même s'il y avait de l'écran. Parce que regarde quand elle le retire du dock. Regarde. Regarde, elle va le retirer du dock. Tu vois, bon, là ça, c'est genre miraculeux. Et en fait, c'est déjà éteint, tu vois. Pff, la LED était déjà éteinte, là. La console branchée, pas branchée.
Est-ce qu'on peut voir le reflet des yeux? Il faudrait analyser le reflet des yeux comme dans Les Experts à Manhattan. Ah, puis oui, il y a la phase de l'e-sport après. Mais là, la phase de l'e-sport, ça a l'air d'être la phase la plus vraie de l'histoire. Voilà! Merci! Regardez là. Regardez ça. Ça, c'est ce que tu vois sous cet angle-là. Sur une Switch. Merci. Là, d'accord. Voilà. Ce que tu vois de l'écran, c'est ça. Quand tu regardes sous cet angle. Oh là là, là, il est allumé, le machin. Tu vois? Là, c'est une vraie image. Il n'y a pas d'incruste à la con. Voilà ce que tu vois. Il n'y a rien de lumineux as fuck. Voilà, ça c'est du vrai. Merci. Oh, les joueurs e-sport, ils sont pieds dedans. Bah ça par exemple, j'y crois moins déjà. Ça avait plus incruste. En plus que c'est pareil, tu vois, regarde la taille de l'écran là. Regarde la taille de l'écran là. Cet écran là, il prend plus de place que cet écran là. Rien que là, il y a un problème les mecs. Enfin, je sais pas, mais regardez vos proportions. Regardez, là ça prend tout l'écran de la Switch, là ça prend qu'une mini partie. L'e-sport Splatoon, hein, c'est la vraie vie, hein. Ah non, c'est pas pareil du tout, non. Il a peut-être la Switch XL, c'est vrai, il a peut-être la Switch XL. Mais oui, non, mais on pinaille, oh, c'est pour rigoler, on pinaille. Non, mais ce que je vous explique, c'est que t'es obligé, tu présentes un produit, t'es obligé de faire de l'incruste, y'a pas de problème, c'est... On s'en fout, tu vois le trailer, tu vois le machin, c'est cool, on pinaille. C'est pas pour dire que c'est de la merde, hein, que je fais ça. Hein? C'est pas du tout ça. T'es obligé quand tu montes un machin, quand tu fais le truc, c'est obligatoire. Mais oui, mais bien sûr, Necro. Mais bien sûr, mais y a pas de problème. Pour moi, y a aucun problème. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont pas raccord. Tu t'arrêtes dans tous les trailers de tous les trucs de l'univers. Il y a des trucs qui sont pas raccord. C'est pas une vidéo Twitch, quoi, tournée dans les conditions du direct. Évidemment. Évidemment qu'il y a des trucs. Non, le problème, c'est que à cause de ça, tu ne connais pas réellement le temps d'affichage et la véritable qualité d'image de l'écran de la Switch. C'est dans ce trailer, ça ne transparaît pas. Puisque c'est des incrustes d'images et probablement des incrustes d'images de la version télé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça par contre c'est babaise. C'est-à-dire que le truc quand tu retires, genre ça s'affiche sur ton écran tout de suite, on est en droit de pas le croire. Voilà, c'est juste une question d'ergonomie. C'est-à-dire que là dans le trailer ça te paraît ergonomique alors que toutes les consoles sont éteintes. C'est tout. Donc oui, évidemment, on est en droit quand même de se dire, bah les mecs, vous nous baisez un peu la gueule. Arrêtez de vous foutre de nous. Il y a un moment... T'as par exemple, là, je crois qu'il en a, il en branche une. Là, ça va être intéressant, je crois. Alors attendez, est-ce qu'on peut les voir de face quand ils branchent, là? Oui, c'est éteint. Enlève ta main, connard. Enlève ta main. Oh, putain. Oula. Merci à Enzo Fool pour les 6 mois. Oh, on a pas bien vu. Peut-être eux quand ils branchent ça se voit mieux. Ce qu'ils branchent eux, déjà. Ils branchent pas eux, c'est pas des mecs branchés. Ils se tournent. Tu vois là je vois pas la diode. Puis pareil, l'écran est noir. Tout est noir, hein. L'écran est noir. L'écran même est noir. Regardez. Les sièges de The Voice. Y a rien dans les écrans, tu vois. L'écran est noir. Et c'est... La console est éteinte. Il branche, mais tout est éteint. Et il branche des consoles éteintes, là. Et surtout, la LED s'allume pas. Lui aussi, il branche une console éteinte. Ou en veille. Elle peut être en veille, remarque.
Mais le truc, c'est qu'après, la LED s'allume. Ah, c'est quand même stylé comme concept, hein. Ah, la manette, elle a l'air bien. Là, on la voit bien, là. Ah, puis ces coupes de cheveux dans Splatoon, c'est tellement stylé. Voilà, blablabla. La compétition Nintendo, mon gars. Trainma, Bethesda. Bethesda Softwork. All Right Reserved. NBA Property Inc. 2016. Game footage, note finale, graphics et feature, subject to change. Nintendo, Bethesda et NBA Property. En fait, NBA Property, c'est même pas dire que c'est NBA 2K. Mais il y a Bethesda. Ils sont là. Ils sont cités dans le trailer. Les marques commerciales citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch. Voilà, on a décortiqué un peu plus en détail ce trailer. On a bien passé une heure à faire ça. C'était rigolo. Voilà, donc oui, des incrustes. Mais y a pas de quoi tuer un de canasson, je dis. La seule chose que l'on déduit de ce truc d'incrustation, c'est qu'on sait pas avec quelle facilité il y aura la modularité. De tout ça. Donc ce trailer, c'est des promesses. Maintenant, si elles sont tenues, c'est génial. Si elles sont pas tenues, c'est plus chiant. Voilà. Il y a pas de quoi tuer un canasson, c'est ça. Non mais c'est rigolo, oh, vous voyez les petites erreurs de montage. Il y en a qui sont faits partout, hein. Vous savez, au montage on peut tellement changer de choses. On peut changer les couleurs de peau, on peut changer les balances des sons. Merci Black Keys pour le sub, Hugues. Paix et amour. Non mais tout le monde vous ment, tout le monde vous ment, tout le monde. Que ce soit dans les présentations live ou c'est des vidéos de trucs qui sont sur PC, tout le monde vous ment. Là, c'est pas du mensonge, c'est pour le bien de la vidéo. Franchement, s'ils avaient fait toute la vidéo avec les vraies images, des vrais écrans, la vidéo aurait été dégueulasse. Et tout le monde aurait dit, ah mais c'est moche, ah mais on voit rien, oh, la luminosité est pourrie. Bah évidemment. Évidemment, puisque via la caméra, avec ses angles de vision, tu verrais que dalle. Donc oui, t'es obligé de faire des incrustes. Le seul truc que là où ça me pose vraiment problème, c'est que du coup, là, parce que c'est quand même un grand challenge, le passage de la télé à l'écran, de l'écran à la télé, fla. C'est ça, l'ergonomie, la modularité, tu vois, la simplicité. Et cette simplicité-là, elle nous est vendue de façon un peu mensongère. Puisque c'est la simplicité d'une incruste, on change de l'écran à... Voilà. Ça me fait chier. Mais je suis sûr que ça fonctionnera très bien. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que l'écran s'éteint quand tu es branché sur le dock? Est-ce que l'écran reste rallumé? Est-ce qu'il y a des jeux que tu pourras projeter sur ta télé sans avoir besoin du dock? Voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que ouais, toutes les images que vous voyez dans cette vidéo, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Par contre, la PS4 Pro et Final Fantasy XV pas optimisé sur PS4 Pro, là ça va chier. Là ça va beaucoup plus chier même.
C'est pas un grand challenge. Non, c'est ça. C'est exactement ça, monsieur Kaka. Je pense aussi que c'est pas un grand challenge. Un grand challenge. On verra. Après, vous savez très bien que c'est quand même un peu chiant. Déjà, vous allumez votre télé. Vous la mettez en mode HDMI, de l'HDMI de la machine. Déjà, posez-vous la question. Le dock est allumé. Le dock. Le dock, c'est une machine aussi, le dock. Je vois même pas. J'envisage même pas que le dock soit pas minimum une OS ou sorte même pas une image ou quelque chose, tu vois. Juste le dock. Imaginez ça. Vous allumez votre télé, le dock est allumé, votre Switch est avec vous, l'écran et tout ça. Ça paraît invraisemblable que le dock n'envoie pas d'image. Et laisse comme ça la télé allumée sur HDMI 1 en option select. Et tu branches. Et d'un coup, je sais pas, ça affiche l'image sans que ça baisse tout dans Paname, tu vois. Doc Brand, ouais. Qu'à mon avis, si le doc affiche quelque chose et que tu branches, tu dois quand même, à mon avis, déjà sélectionner, jouer sur le jeu. Enfin, doit y avoir... Il doit y avoir une petite phase de fla, tu vois. Bah j'en sais rien, Dodo, tu vois. Et je suis pas sûr. Et d'autre que c'est pas du tout comme la Surface, puisque le dock est censé afficher quelque chose sur la télé. Bah, pour le coup, le dock de la Surface... C'est une batterie supplémentaire. Là, t'as quelque chose qui est branché à une télé, alimenté. Oui, déjà, ça devrait au moins mettre pause. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, rigueur. Exactement. Il devrait y avoir une pause ou une... Repartir au moins dans le menu, sinon t'es dans ton jeu et... Ça veut rien dire. Quand même, au moins mettre une petite pause, non ? Non ? Non, le code ami, non, ça ne sert à rien. Ni même sur les vidéos YouTube, ça sert à rien de poster vos codes amis, à part pour les autres, mais je rentre pas de code ami sur ma 3DS. Les 6 sont déjà full. Je rappelle qu'on est déjà en... C'est bientôt en novembre, hein ? De rien, ça s'approche à grands pas tout ça. Ah, Mintos. Mintos, le vrai Mintos. Bah oui, il faut avoir le temps de prendre les manettes, faut se reposer dans le canapé. Si la console se met pas minimum en pause ou repasse pas par le menu Home, paye ta merde, toi. C'est un peu chiant, il pourrait t'arriver n'importe quoi dans ta partie. Ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresse bien. Enfin, on verra ce que ça donnera à la fin. Ça, c'est une vidéo de présentation. Je pense pas qu'il y a eu la moindre vidéo de présentation d'une console qui n'a pas été de l'escroquerie. Mais ils auraient pu faire attention de l'incruste quand même par-dessus la manche. C'est dégueulasse. L'incruste par-dessus la manche, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas pro, quoi. Complètement pas pro. Ça aurait pu faire gaffe, merde. Il y a un moment.
Ce n'est pas la musique d'Arceus. Bon, je vous la dégage et je vous remets l'ancienne. Ouais, bien fait pour vous. La 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 la. Moi j'ai peur que la tablette chauffe rapidement parce que j'ai une surface. Et rien qu'avec Hearthstone, elle crame vite. Vraiment? Non. Si? Une surface, ça brûle. Ah ouais? Bon, il y a des téléphones qui brûlent pas trop, hein. Après, est-ce que c'est une puce Tegra qui est dans une surface? Non, c'est Intel qui est dans une surface. Non, c'est des puces Intel. Après, un des gros avantages de la NX, déjà, c'est pas très puissant. Peut-être qu'une surface, c'est même beaucoup plus puissant, hein, quelque part. Le gros avantage de la NX, c'est que tes manettes sont excentrées. T'as pas à toucher la tablette, tu la touches pas. Tu la touches pas, tu touches les manettes à côté. Donc... ça devrait aller. Je pense, hein. L'écran est tactile. Tout à fait, l'écran est tactile. L'écran est tactile. Tududu. Gros avantage de la Switch chez Nvidia. Oui, c'est vrai que ça... C'est vrai que c'est plutôt bien. Les devs ayant des kits confirment que la tablette chauffe et fait du bruit. Les devs ayant des kits de dev. Des kits de dev. Attention, hein, ne confondez surtout pas un kit de dev avec les versions définitives. Je vous prie de croire que le kit de dev de la DS, il chauffe à mort et il fait du bruit aussi. Mais ça n'a rien à voir avec une DS, le kit de dev de la DS, hein. C'est une console de jeu, le kit de dev de la DS. C'est un petit bloc comme ça, comme une carte arcade que tu mets tes trucs DS dedans. Rien à voir, hein. Les kits de dev, mais non. Ouais, c'est vrai que peut-être en plus dans l'équipe de dev, je sais même pas s'ils ont le truc avec la tablette qui sort. Ils en ont pas besoin. Ah, ils en ont besoin juste pour tester les contrôles minimes. En fait, ils en ont pas besoin. Tu sais, ils ont pas besoin dans le kit de dev du support qui sort. Ouais, si, quoique peut-être, parce que si l'écran est tactile. Je sais même pas à quoi ressemble le kit de dev. Bah maintenant qu'ils nous ont montré la NX, tu penses qu'on peut avoir des photos des kits de dev ou pas? Ou ils sont encore secrètement cachés les photos des kits de dev? Il y a des photos du kit de dev et c'est dégueu. Il y a des ports de partout, des prises Ethernet, ça n'a absolument rien à voir. Tu les as, Greek Universe, les vraies photos du kit de dev? Quelqu'un les a? Parce que maintenant que la console a été annoncée, à mon avis, ils n'en ont plus rien à foutre de montrer le kit de développement, non? Tu penses quoi de la théorie des modules pour la Switch? Par exemple, une montre Yo-Kai Watch, un Pokédex pour Pokémon Go. Je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi tu parles. C'est interdit de faire des photos du kit de dev. Oh, c'est interdit. S'il vous plaît, on est en 2016 sur internet là. Je vous en supplie. Arrêtez.
C'est interdit. En 2016, oh là là. 2016 sur internet, le mec qui me dit c'est interdit de montrer les photos du kit de dev. C'était interdit de dévoiler le rooster de Smash Bros. C'était interdit de donner les noms de des personnages de Street Fighter 5. Allez, s'il vous plaît, pas à moi. Pas à moi, pas à moi, pas à moi. Pas moi, je vous en supplie, pas moi, pas ça, pas vous, pas toi le chat, pas toi. Alors. Ok, donc soi-disant, approuvé encore. Le kit de dev de la NX, ça serait un tout en un, tu vois. Ce serait ça. Après, je peux pas vous dire que c'est la vérité. Bon, soi-disant, il veut pas montrer le hat. Oh! Pour moi, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que ça, c'est pas une photo qui est prise, en fait. Tu vois, c'est une photo sur fond blanc. Tu vois, là, ils ont mis au pif une prise Wii. La lime, elle est complètement au pif. C'est la lime de la Wii aussi. Pour moi, ça, c'est de la merde. Enfin. C'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que comment tu prends une photo comme ça? T'as deux kits de dev. Comment ça tient le truc? Comment il a fait la photo le mec? Pour moi, c'est ça, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Tiens, par exemple, le kit de dev de la GameCube, il ressemble à ça. Ça, c'est la GameCube. Voilà, ça c'est une GameCube. Avec ça n'a rien à voir. Hein. Avec la console d'origine. Photo prise par Monsieur Propre, ouais. Ça. C'est clairement de la merde. Clairement. Ah, je vois la théorie comme quoi on pourrait se changer le... Oui, je vois, d'accord, ok. D'accord, ok, merci de m'avoir envoyé ça, Salamanda. Oui, donc ça qui disait la théorie comme quoi tu pourrais avoir plusieurs Joy-Con différents pour faire d'autres trucs. Par exemple, comme tu peux mettre des Joy-Con de toutes les sortes, tu pourrais mettre un Joy-Con Rocket Raccoon, un Joy-Con The Yo-Kai Watch, un Joy-Con Nintendo GameCube, un Joy-Con Super Nintendo. T'aurais des Joy-Con pour un peu tout et n'importe quoi, quoi. J'aime bien l'idée. Des Joy-Con vendus avec les jeux, quoi. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Ouais, pour le pognon. Mais c'est vrai que tu peux fabriquer la manette que tu veux avec ces idées de Joy-Con, c'est vrai. Tu sais, tu débranches, tu rebranches. Tu fabriques un peu la manette que tu veux. C'est quand même très bien. Ouais. Non, l'idée est sympa. Maintenant, on va savoir ce que ça va donner à la fin. C'est pas trop.
Le reflet de la télé qui bouge pas. Oui, il y a le reflet de la télé qui bouge pas. Il y en a plein des erreurs dans ce... Il y en a plein des erreurs de toute façon dans ce trailer. Il y en a plein. Mais bon, animé, s'il n'y a que image par image que tu vois ce genre de petit truc. Animé, tu vois pas. Donc. Peu importe. Vraiment, peu importe. Par contre, ouais, ça fait pas mal de temps que je suis en train de tourner et j'ai rien là. C'est en train de m'inquiéter. Peut-être falloir que j'aille prendre une pause pour manger une choucroute. Vu au rythme où ça va. Merci Play Wisdom Hugues. Merci pour le sub. Tu viens rejoindre la grande famille ici. J'étais en train de chercher une image un peu plus illustrée. 341ème sub. Tu es donc, si je ne dis pas de bêtises, d'après la liste des Pokémon, un Écrapince. Bien joué. Écrapince, très joli Pokémon. Allez, j'ai envie de faire pipi. Ah, je voudrais vraiment avoir le truc bon. Je reviens après. J'ai envie de faire pipi, je vais pisser. Je reviens juste après et il faut que j'ai Coxy. Donc là, la prochaine heure, on bourre Coxy, il me faut un shiny. C'est pas possible autrement là, parce que là, là j'arrête pas de diverger, vaguer ou faire n'importe quoi. Il faut que je me reprenne. On va faire du full, il est pas shiny le prochain coup. Écrapince, oui, Écrapince. Eh oui, 341ème, c'est Écrapince. Ou alors 342ème, peut-être t'es 342ème et à ce moment-là, tu as un Colomar. Colomar, ça peut être bien. C'est très bien, Écrapince. C'est très très bien, Écrapince. Il me semble d'ailleurs qu'en 7G, il y a un sorte de Krabby Écrapince aussi. Eh ouais, ça fait le taf. Ok. Bon, il m'énerve. Il m'énerve. Ce Coxy m'énerve. Ce Coxy m'énerve. Je vais pas me péter le Coxy sur ce Coxy. Sauvegarde. Tain, les mecs, ils sont en mode Dragon Quest Builders, Dragon Quest Builders. On verra. Je suis pas trop fatigué. Sinon, il y a demain, hein, les gars. Hein. Demain, c'est sûr, on fait pas de Pokémon. Hein. Rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous. Pause. Et on se retrouve juste après pour la suite d'Il est pas shiny. 100% Flat. Et trouvation de Coxy. C'est obligé. A tout de suite.